Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui, un petit peu en raccourci, comment j'ai construit mes différentes sources de revenus sur Internet. Donc, je vais vous donner les principales raisons et comment ainsi faire de même, faire juste un copier-coller. C'est parti, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. À tout de suite. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'était en quatre grandes étapes. La première, ça a été de bien s'entourer, dans le sens bien s'entourer, de connaître d'autres personnes qui sont déjà passées par là, des personnes qui vous inspirent, des mentors. La deuxième étape, ça a été de bien se connaître, de bien se connaître soi-même. Et la troisième étape, ça a été de vendre mes propres formations. Et enfin, la quatrième étape, ça a été de vendre les formations d'autrui. Donc ça a été les quatre grandes étapes dans ma vie pour construire mes différentes sources de revenus. Et je vais vous expliquer en détail chacune de ces étapes. C'est parti. Donc, la première chose pour bien s'entourer, déjà, ça permet d'avoir un excellent mental, un bon mental. Donc, dans ce bon mental, je regroupe aussi le fait de connaître un petit peu le business, de connaître un petit peu les différentes notions dans ce domaine, parce qu'à la base, quand on vous parle d'autorépondeur, quand on vous parle de page de vente, quand on vous parle de taux de conversion, c'est super flou pour vous. Quand on vous parle de référencement, vous dites, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Donc, vous ne pouvez pas encore construire tout ce business si vous ne connaissez pas déjà tout le jargon dans cette thématique. Donc voilà, c'est la première chose déjà, c'est de bien maîtriser les notions. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. C'est un petit peu comme quand on veut apprendre l'anglais, il faut être en immersion. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Pour que apprendre plus vite toutes ces notions, tout ce jargon, et bien il faut s'entourer pour apprendre beaucoup plus vite et passer ensuite à l'étape supérieure. Donc, il faut bien s'entourer donc pour avoir les notions. Comment on fait? Et bien, vous pouvez déjà aller à des séminaires, des événements pour rencontrer ce genre de personnes. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, ce que je conseille, c'est que vous envoyez un email à certaines personnes pour pouvoir discuter avec elles, qu'elles ont le même niveau que vous ou non, déjà discuter un petit peu avec elles. Bon, vous pouvez aussi ajouter sur Facebook, mais ça va être un peu plus compliqué. Ce qui marche le mieux actuellement pour avoir une réponse, c'est par email. Et vous pouvez ainsi discuter avec d'autres personnes. Je sais qu'il y a une personne qui avait fait ça avec moi. C'est devenu une amie. Aujourd'hui, elle a ouvert son agence de communication. Donc Margot, si tu passes par là, salut. Et donc voilà, on avait échangé comme ça. Elle habitait pas trop loin de chez moi. Donc on a pu se rencontrer plusieurs fois et échanger un petit peu ainsi sur le business. Donc par les emails, c'est également possible. Vous pouvez aussi vous faire des emails ou des Skype et lors des Skype, vous faire des échanges de stratégie. Alors, nous, c'est vrai que ça se fait beaucoup dans le domaine du web marketing. Quand on cherche à faire connaissance avec l'autre, en fait, voilà, on fait connaissance, ça dure 30 secondes, c'est tu es de quelle région et c'est tout, ça s'arrête là. Après, c'est vrai qu'on va directement discuter de choses plus en profondeur. Tiens, j'ai découvert telle nouvelle technique qui marche super bien pour bien référencer ces vidéos YouTube. Moi, j'ai plutôt compris que en mettant telle miniature, ça marche beaucoup mieux. Moi, j'ai compris qu'en faisant de la pub juste avant de publier son article de blog, ça marche énormément. Bref, découvrir ensemble des stratégies, s'échanger les stratégies, ça permet ainsi de bien connaître l'autre personne et de bien du coup avancer pour apprendre. Donc ça c'est la troisième chose. Ça permet aussi de voir si vous avez les mêmes valeurs que l'autre personne. Parce que si la personne vous dit oui moi je vends des coachings à 50 000 euros et puis je m'en fous si la personne n'a pas de résultat. Bah, si vous avez un minimum d'éthique, ça va pas forcément vous plaire et vous n'allez pas forcément continuer les échanges futur avec cette personne-là. Si au contraire la personne vous dit moi j'ai un programme qui dure 6 mois et derrière je suis les personnes jusqu'à temps qu'elles réussissent, là vous dites ok ça me ressemble beaucoup plus, ok? Donc faites attention à tout ça, c'est pas parce que vous faites connaissance avec une personne que vous allez forcément vous entendre avec, mais en tout cas ça permet de bien s'entourer. Je sais que moi ça a été fait comme ça. Mon premier séminaire c'était au WED en 2015. Ensuite, mon premier échange de Skype pour les stratégistes avec quelqu'un qui bossait avec pour Alexis Santin, qui m'avait donné des stratégies sur l'email marketing. Et l'échange de stratégies, les premières que j'ai pu faire, je sais plus. Je sais que j'en ai fait avec Jean-Luc d'idées marketing, après je sais plus, j'en ai fait plusieurs, mais les toutes premières je sais plus du tout. Donc voilà, ça c'était déjà pour bien s'entourer, c'est hyper fondamental. Alors la deuxième chose, ça va être de bien se connaître, parce que voilà, vous avez commencé à prendre
tout le jargon de votre thématique. Et ensuite, il va falloir bien vous connaître pour savoir dans quoi vous allez vous spécialiser. Donc, pour ça, déjà, ça va être la lecture. Vous allez lire plusieurs livres. Alors, il y en a qui vont vous dire « Ouais, lisez sur la bourse, lisez sur l'immobilier. » Mais souvent, on sait déjà ce qui nous intéresse plus ou moins ou pas. Donc, par exemple, ce qui vous intéresse, ça va être... on va prendre le mathématique, ça va être le web marketing. Vous savez que vous aimez bien déjà le web marketing, ok ? Eh bien, ce que vous faites, vous lisez plusieurs bouquins dans le web marketing. Et puis, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui vont vous plaire plus que d'autres. Donc, vous allez essayer de vous spécialiser au fur et à mesure comme ça. Donc, moi, par exemple, ça a été plutôt l'argent sur Internet en général. Après, il y a plusieurs choses. Après, je me suis spécialisée dans le web marketing. Après, je me suis spécialisée dans le business en ligne. Et après, je me suis spécialisée dans l'affiliation. Donc au fur et à mesure, il faut descendre comme ça pour bien se connaître. Parce que si vous commencez actuellement en 2019 à vous construire un business en ligne, spécialisez-vous au maximum. Hein, si vous restez dans le niveau ici ou ici, vous allez avoir du mal à décoller clairement. Vaut mieux se spécialiser. Avant c'était possible, mais plus maintenant. Si vous êtes dans la thématique du développement personnel, ok, donc ça c'est une grande thématique. Vous aimez bien tout ce qui est relation aux autres. Ensuite, vous rendez compte que vous aimez bien tout ce qui est relation parent-enfant. Et ensuite, vous vous rendez compte que vous aimez bien, en fait, l'éducation en parent-enfant. Ok, donc ça va être la deuxième chose, c'est d'apprendre à bien se connaître pour pouvoir se spécialiser. Donc, troisième chose, ça va être de vendre mes formations. Donc, vendre vos formations aussi. Parce qu'il va bien falloir se lancer, même si ça avait fait peur. Je vous conseille ma vidéo, c'est comment vaincre le syndrome de l'imposteur. Alors, déjà, vous allez vous créer une formation avec la spécialité qu'on a vue juste avant. Pour ça que c'était important de bien se connaître. Donc, vendre une formation dans votre spécialité. Tac, vous allez créer votre formation que vous allez vendre. Ensuite, si vous ne savez pas comment faire une formation numérique, regardez le lien en dessous de la vidéo. Il y a une formation qui s'appelle « Comment créer et vendre sa première formation numérique ». C'est une formation, je dirais plutôt même un atelier en fait. Un atelier vraiment où à chaque vidéo, vous avez toutes les étapes à suivre pour au fur et à mesure avoir tout le plan de votre formation et toute votre formation complète. Donc voilà, c'est une formation qui a vraiment beaucoup plu, qui est vraiment plus que complète, et vous avez absolument tout pour faire une formation, et en plus de ça, tous les critères pour en faire une formation best-seller. Donc c'est le lien est juste en dessous. Donc moi, qu'est-ce que j'avais fait? En fait, j'avais fait un sondage d'abord, j'ai proposé plusieurs thématiques dans le marketing, sur internet, et ce qui était revenu, c'était l'affiliation. L'affiliation, moi, c'était ce que les gens préféraient, voilà, ils préféraient que je leur parle de ça. Donc j'avais créé une formation là-dessus. Et puis au fur et à mesure, après, une fois que c'était fait, j'avais créé d'autres formations, j'en avais créé en tout à peu près 12-13. Et puis finalement, en 2018-2019, j'ai tout supprimé toutes mes autres formations, j'ai gardé celle sur l'affiliation, mais par contre, voilà, elle est ultra complète, elle est tout le temps mise à jour, et elle est vraiment super bien pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté. Donc voilà comment ça se passe. Donc, j'ai fait ainsi, et maintenant je vais vous dire un petit peu comment je trouve mes clients. Alors, comment je trouve mes clients? J'ai trois sources principales. J'ai YouTube, j'ai le blog, et j'ai Instagram, ok? Donc, tout ça, ça me rapporte des personnes qui vont arriver sur ma page de capture d'email. Et sur cette page de capture d'email, eh ben, il va y avoir plusieurs emails qui sont envoyés pour proposer des formations payantes. Ok ? Ensuite, eh bien, ils vont passer à l'achat. Et tous ces achats-là, après, ça va être forcément sur mon compte bancaire, etc. Mais comment je trouve mes clients principalement, ça tourne comme ça. Voilà, rien d'innovant, mais ça fonctionne comme ça. C'est super simple et rentable.
Alors, si jamais vous pensez ne pas avoir le temps ou ne pas pouvoir faire mieux que vos concurrents pour les formations numériques, vous pouvez vendre la leur et toucher une commission, d'accord? Donc, c'est ça l'affiliation. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon business web étudiant. Il y avait Alexis Santin qui avait la formation majeure de promotion. Elle était super bien faite, je pouvais pas faire mieux. Du coup, je lui ai proposé de l'affiliation et je touchais 50% sur 47 euros, il me semble. Donc, voilà, vous pouvez faire ainsi. Alors, je vais prendre ma feuille avec moi. Alors, l'astuce vraiment en or, c'est de vendre des produits à abonnement. Vous touchez les commissions à vie. Par exemple, ClickFunnels, System.io, DropEasy, voilà, des trucs à abonnement. Vous avez des commissions qui reviennent vraiment à vie. Sinon, vous pouvez faire des formations ou des logiciels qui sont beaucoup recherchés. Par exemple, moi j'ai une vidéo qui s'appelle « Comment faire des e-books professionnels ». C'est énormément recherché sur YouTube et je vends comme ça à vie. J'ai aussi « Comment faire du business sur Instagram ». Ça se vend comme ça aussi à vie, ok? Donc ça, c'est la chose à faire également. Et donc tout cela, moi, ça me rapporte en moyenne 2000-2500, ça dépend, en affiliation. Et donc 5000 avant pour mes propres formations. Donc voilà comment j'ai construit mes revenus passifs sur Internet. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse maintenant parce que j'ai la batterie qui va me lâcher juste à temps. J'espère que ça va aller. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas mon petit e-book audio 17 actions pour l'affiliation. On se retrouve dans une prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.